بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ ريسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah, au Rabbul Alamin, qui donne-nous l'occasion là pour réunir dans ce lakaz. Et ensuite, nous remercions la direction Masjid qui donne-nous l'occasion pour présenter un programme pareil concernant le mois de Muharram, ce bonne vertu, ce bonne valeur. Et ensuite, nous pour expliquer concernant aussi par Frère Pierre Baye, c'est concernant ces valeurs ben Sahaba. Et troisième, c'est nos frères Fawaz Dorgaï qui vous cause en second, Inch'Allah Aziz, pour capable, et un suivi dans ce programme-là. C'est nos frères Fawaz Dorgaï pour cause second, c'est les causes concernant événements de Kalbala. Et en troisième, c'est frère Pierre Baye qui vous met la compréhension concernant ces valeurs ben Sahaba. Qui n'est pas possible qu'il Sahaba et dans la guerre et dans le problème parmi les autres, comme a beaucoup fin mentionné, et dans l'ennemité. Donc ça, c'est nous apprendre concernant valeur ben Sahaba dans l'islam. Donc pour commencer, le mois d'Allah, le mois Muharram, c'est un grand mois et c'est un mois sacré. C'est ça même premier mois dans le calendrier islamique, c'est nous dire calendrier lunaire, nous suivre la ligne, aussi connu comme c'est nous dire le calendrier Hijra. Et c'est un mois sacré. Comme Allah, Rabbul Alamin, fait connaître dans le Coran, dans Surah Tauba, verset 36, que Allah, Rabbul Alamin, dit « Inna iddada shuhuri inda Allah, ithna ashara shahran fi kitabillah » C'est le nombre de mois auprès d'Allah, dans son livre, c'est 12 mois. « Yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atul hurum » Le jour que Allah fin créer les ciels et la terre, dont Allah Rabbul Alamin fin décréter lui, qui dans une année et dans 12 mois, et dans ces 12 mois là, il y en a 4 qui sacrés là-dedans. Et Allah dit "Dhalika ad-dinul qayyim", c'est telle est la religion droite. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Pas fait dito dans ce mois là, n'a pas fait dito à vous-même. Alors là, montrez-nous qui est une de bonne valeur quand nous cause le mois de Muharram. C'est un dimoun, il connaît, qui est un calendrier islamique. Il peut montrer l'importance, suivre nos calendriers. Nous pouvons vivre dans un pays quand nous suivons majoritairement. Beaucoup de dimoun connaît janvier, février. Bien tigui dimoun qui servit le mois Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mais un musulman, c'est Kalitan. Le mois Muharram, ça fait lui réagir. Et qui, moi ici, moi j'ai un calendrier islamique. Moi j'ai l'année qui finit sans zé, 1440 Hijri. Et ça fait lui rappel qui, Omar bin Khattab, radiallahu anhu, c'est le deuxième calife de l'islam, lui-même qui finit initier le calendrier islamique basant le Hijra, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitte Makkah. Pour venir à Medina, donc les musulmans les réalisent tout ça là. Qui dit qu'on valeur le mois de Muharram, ça fait des rappels l'importance pour lui suivre ce calendrier, pour lui connaître ce bonne date et ce bonne mois dans l'islam. Deuxième petite chose concernant ce mois-là, que Allah Rabbul Alamin fait connaître dans un mois sacré, c'est n'a pas fait dit aux autres mêmes. Donc dans ce bonne mois-là, patina djihad. Patina combat. Donc, c'est pour montrer qu'il s'est un mois sacré là. C'est l'occasion que nous bisons augmente nos ibad.
faire plus de ibada. Pareil comme Ibn Abbas, radiallahu anhu, fait connaître, qui, dans sa ban mois-là, fait attention à ban péché, qui fait ses conséquences plus graves, et aussi ses récompenses, li nous dit, méritoire, li plus encore. Kenjimoun, li fait ban ibada dans ban mois sacré, ça aussi, ce ibada, il a plus de valeur. Aussi bien concernant ce ban péché, ce ban erreur qui diffère dans moi sacré, ça aussi dit grave auprès d'Allah Azza wa Jal. L'autre événement qui fait nous, quand nous cause le mois de Muharram, c'est montrer nous victoire de la justice, l'eau l'injustice. Nous connaissons bien qui, dans l'Égypte, tiennent les rois, Pharaon, Pharaon, dont ils tiennent grand tyran, ils font beaucoup l'injustice lors de ce bandimoun, beaucoup dominer. Allah Rabbul Alamin envoie un prophète pour vivre dans son époque, c'est Moussa alayhi salam. Donc Moussa alayhi salam fin vini pour libérer le peuple Ben Israël de sa grand tyran là, de sa grand dominer là. Par père Michou Allah Azza wa Jal, c'est nous dire, c'est tous les temps la justice lui prévaloir. Donc Moussa alayhi salam réussit, fait victoire, sauve peuple de Bani Israël contre nous dire la tyrannie et l'injustice de Pharaon. Alors ça montre nous qui est musulman. Aussi longtemps où l'on a la vérité, aussi longtemps qu'on peut vivre dans la justice, connaît qui Allah ou Azza wa Jal solide pour venir vers où. Même qui quantité l'homme est là faux, même qui quantité dit mon là capable puissant, qui sera pas tu connais Pharaon en d'autres mots, sur façon ce ban l'homme. Qui quantité dit au lifin faire dominer, lifin faire. Mais quand Allah ou Rabbul Alamin ou l'est la justice, peine à personne capable de boire la vérité, boire la justice. Alors ça, montrez-nous ça, événement-là, qui est arrivé dans le mois de Muharram, et ça, beaucoup bandimoun, c'est nous prend ça en considération, et ça même qui amène nous vers un petit peu concernant le jour de Ashura. Dixième jour dans le mois de Muharram, c'est un jour qui vraiment, un musulman, quand cause Muharram, l'iconé qui bisin garde rosa sa jour là. Mais avant qu'il nous vienne l'eau là, c'est lui recommander pour garde rosa régulièrement dans le mois de Muharram. Lui pas seulement dixième. Même dans ce mois-là, lui recommander pour garde rosa régulièrement. Qui fait hadith rapporté par Abi Huraira radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم دو لو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دي ميير روزا après le Ramadan, après le mois de Ramadan, rosa qui est gardé dans le mois de Ramadan, après ça c'est meilleur rosa, c'est quoi? C'est rosa qui est gardé dans le mois de Muharram. Ça montre nous valeur garde rosa dans ce mois là Rosa après le mois de Ramadan, qui n'a plus valeur après le mois de Ramadan, c'est Rosa qui nous garde dans le mois de Muharram. Et le prophète dit Wa afdalu salat ba'd al farida salatul layl. Meilleure salat après namaz faraz, c'est qui salat? Salat qui vous fait pendant la nuit. Salat qui vous fait dans la nuit. Et ben Zimoun peut dormir dans sa lèvre là. Et nous comptons très bien dans ben lèvre dans le troisième tiers la nuit. C'est sa personne qui peut débouter devant Allah Azza wa Jal. Il peut faire salat dans la nuit. Et bien, si on peut dormir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit sa même meilleure salat après salat faraz. Donc, nous finissons à prendre concernant c'est le mois de Muharram, c'est l'ibon qu'un djimoun. Ne pas dire obligatoire, c'est l'ibon qui s'est djimoun a fait ses efforts, les gardes maximum. De rosa qui est capable parce qu'il est sunna, il n'est pas obligatoire. Le mois de Ramadan, c'est obligatoire pour garder rosa. Mais dans le mois de Muharram, c'est pas obligatoire, il est sunna. Et nous pouvons prendre aussi concernant un hadith rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il dit Ma ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyam yawm faddalahu ala ghayrihi illa hadha al-yawm, ay yawm Ashura. وهذا الشهر يعني شهر رمضان
Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dit, Mopafine trouve le prophète manifester une préférence pour God Rosa, sa jour-là. Qui joue ça? C'est jour de Ashura. Le prophète il manifestait une préférence pour God Rosa, sa jour-là. Et il dit aussi, pour ce mois-là, c'est le mois de Ramadan. Et ce hadith-là, il est rapporté dans Bukhari et aussi dans Muslim. Peut montrer-nous que le prophète même, tu es content, tu as une préférence pour God Rosa, sa jour, nous dit de Ashura, qui nous vient là concernant, c'est nous dire, quand il était dans Maurice, quand nous gardions, donc là, c'est que nous étions ici, 10 Muharram, dont aujourd'hui nous rentrons au 5e, c'est 10 Muharram, Inch'Allah, donc c'est l'Ipetum, c'est, j'ai dit le 20 septembre. Le 20 septembre, c'est nous pégode Rosa 2, les 10e Muharram, c'est Petum, c'est 20 septembre. Alhamdulillah, li bon pour God Rosa, ça joue là. Mais, ban Sahaba, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui rentre dans Medina, li constate qu'il ban juif aussi, qui pégode sa Rosa là. Et c'était un grand jour pour ban là. Et ban là aussi reconnaît qui Moussa alayhi salam, qui fait la victoire au Firaoul. Donc ban là aussi, qui pégode sa Rosa là. Doban Sahaba rapporte ça avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand jour ban là ça. Donc le prophète dit à Ban Sahaba, donc l'année prochaine, Inch'Allah, c'est nous bougons de Rosa et Tassir, nous bougons de 9e jour aussi. Alors ça, c'est, nous connaissons dans le hadith mentionné quand c'est l'année prochaine, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'infini fini faire wafat, l'infini décédé. Mais, seul enseignement, c'est pour faire différemment, pour contredire à Ban Juif, c'est Ban Juif qui regarde les 10, dont le prophète dit, mais nous nous plions, mais en d'autres mots, nous plions être mérités pour God sa Rosala, qui zote au Ban Juif. Zote God 10, nous God 9 et 10. Nous nous plions être mérités pour God sa Rosala, qui zote. Donc, l'ifin, c'est enseigne à Ban Sahaba, dont qui nous aussi nous pogode 9e jour dans le mois de Muharram God Rosa. Donc nous rédialis l'hypermissible pogode seulement 10e. C'est un dimon sur la santé de capable God en sil zo rosa. Donc l'hypena non y haram. Donc l'hypégode sa rosa là. Mais seulement nous disons les meilleurs qui les gardent 9e en basant leurs paroles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant c'est arrivé comme maman savant expliquer. Si ça dimon là aussi, les filles comprennent ça, mon envie de contredire les juifs. Mon envie de dire Rosa. Mais seulement qu'arrivé, 9e jour, là, il est malade. Les filles gagnent un empêchement, ils ne sont pas capables de garder. Donc, ils gardent ce 10, et ensuite, ils gardent un jour après, ils gardent le 11 aussi. Donc, ça, c'est les bougains récompenses qu'ils font. Les filles mettent un enseignement que le prophète fait enseigner, c'est contredire les juifs. Pas faire pareil comme les autres. Donc, God 9 et 10. Si pas capable, God 9, là où God 10 et 11. Et même, ça aussi, il y a sa version, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zadul Ma'ad, il fait connaître. Il est permissible aussi qu'un jimoun, c'est le God un jour avant et un jour après aussi. Donc, God 9, 10, 11, ça aussi, il est permissible. Il y a un hadith qui est basant l'eau là. Donc, c'est ça, un musulman, il fait beaucoup d'efforts, c'est il fait un maximum de ibadah. Et pas laisser sa rosa là. C'est un pas capable de garder maximum rosa dans le mois de Muharram. Donc au moins, il pas laisse sa l'occasion là, échapper. Qui fait récompense, God nous dire rosa le jour de Ashura. C'est le prophète dire, c'est moi dans l'espoir en Allah qui rosa de Ashura, lui efface péché qui fin commettre pendant l'année écoulée, l'année avant. Lui efface une bonne année ce péché, ce petit péché qu'il fin faire. Donc, alhamdulillah, Allah, sa faveur, sa pitié, est énorme. Donc, c'est un rosa qui nous peut garder. C'est lié face à un banané, ce petit péché qui finit faire dans le passé. Donc, nous réduisons autres lits. C'est nous gardons les 10. Les bons nous gardons les 10. Mais seulement, les meilleurs, c'est nous gardons un jour la veille. C'est 9 et 10. Et nous réduisons les c'est arrivé un petit problème, empêchement le 9. Donc toujours en basant leurs paroles le prophète, c'est nos God 10 et 11. Et c'est un dimon aussi en vigode, 9, 10, 11, ça aussi, les permissibles.
dont nous demandons avec Allah Azza wa Jal qu'il y fait nous, donne-nous la santé et courage pour nous garder sa rose là, Inch'Allah. C'est Zédi le 20 septembre, 19 ou soit le 21, de mon frère, c'est ça. Il y a l'occasion pour nous, dans le mois sacré, nous faire une ibada et nous demandons avec Allah Azza wa Jal qu'il récompense nous énormément pour nous bannes. Ibada que nous faisons dans le mois sacré. Amin. Maintenant, je passe la parole et à frère Fawaz. Et je remercie pour votre attention. Jazakumullahi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi yasta'in. Wa salatu wa salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Inch'Allah, je vais exposer pour concerner l'événement de Karbala. Qui, les malheureux qui, beaucoup de fois, ben musulmans et musulmanes, quand nouveau l'année Hijri rentrée, quand le mois Muharram vini, ce n'est que seulement cet événement-là qui vient dans la tête. Oh, comment nous finissons prendre un parmi ben les autres événements encore qui viennent arriver dans le mois Muharram, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les fin sauve. Moussa alayhi salam depuis Pharaon. Même qui, cet événement qui nous peut causer là, il n'y a aucune relation directe entre sa rosa qui nous observe là. Parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous garde le rosa Ashura, l'événement 2, ce qu'il nous appelle Karbala, pas encore arrivé. Qui finit arriver exactement quand nous cause concernant l'événement de Karbala, nous commençons à partir. Quand Mu'awiya ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, les fin vin calife de l'islam, après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ce shahada. On nous connaît normalement Ali ibn Abi Talib, c'est que les fin être shahid. Un jour vendredi, quand il est sorti ce chemin, il est arrivé à Salat, quand Banna, qui tuili. Après qu'il est fin shahid, celui qui fin vin calife, c'était Mu'awiya ibn Abi Sufyan. Que lui, normalement, se base, c'était dans Sham. Et Ali ibn Abi Talib, avant ça, il était basé dans Medina. Mais quand même, entre les deux, il y a un bel problème. D'ailleurs, Inch'Allah, nous avons l'occasion, écoute, nous frère Pierre, il passe un petit peu l'eau là. Il y a un problème entre les deux. Qui, un bel, comme on dit, chacun qui garde de distance, qui amène jusqu'à même que fin est dans la guerre. Et là, ce qui nous trouvait, que les deux garçons, c'est-à-dire Al-Hassan ou Al-Hussein, radiyallahu anhuma, garçons de Ali ibn Abi Talib, ceux-ci, ils finissent tenir ce qu'ils appellent ce qu'ils ont pas patienté, ils n'ont pas fini d'accord qui Mu'awiyah bin calife. Mais après ça, nous trouvons qui Al-Hassan, radiyallahu anhu, qui, pour palais, comment dire, 100 VSC, pour qui lui faire une réconciliation entre ban musulmans, entre Mu'awiyah qui dans Sham et aussi ban partisans qui avec lui dans Medina pour qu'on m'a dit payer dans la guerre en zut sa réconciliation là, il fin accepter lui Al-Hassan pour lui donner bay'at à Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Il fin accepter pour qui lui reconnaître Mu'awiyah comme calife. Il fin mettre cela main dans la main de Mu'awiyah radiyallahu anhu. Pas seulement lui, mais aussi Al-Hussein radiyallahu anhu. Il y a les deux frères fin d'accord, même après discussion qui tiennent, qui sont d'accord, c'est Mu'awiyah qui reconnaît comme calife de l'islam après le papa se wafat. Et là, nous venons à une prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que sa réconciliation-là, les tiennes qui sont mentionnées dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les fins disent Ibni hadha sayyid, mon garçon, ça, c'est un chef. Wala'alla Allah yuslihu bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimin. Et peut-être Allah, pour servir, pour amener la réconciliation entre deux grands groupes ban musulmans. Oui, c'est ça même qui Al-Hassan radiyallahu anhu les fin faire, les fin amène la réconciliation entre l'armée de Mu'awiyah ibn Abi Sufyan et ban qui est avec lui, ban partisan de Al-Hassan et Al-Hussein. Fin une réconciliation incroyable.
Et tout le monde est d'accord avec sa réconciliation. Nous venons plus devant, nous témoignons aussi ce qu'on appelle relation qui est Mouawiya ibn Abi Sufyan, Abdou Sufyan, radiyallahu an, et façon qui lit les tipégués de ses deux petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les années, ça deux là, Zotipalan Abu Sufyan, Abu Sufyan, Muawiya ibn Abu Sufyan visite dans Sham. Et Muawiya, tous les années, les tipe honore aux autres, les tipe accueille aux autres convenablement. Donne aux autres l'accueil qu'ils ont mérité. Parce qu'ils qui fait, ils ont parti des démons normaux, parce qu'ils ont des petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort de Al-Hassan, radiyallahu an, ce frère Al-Hussein lui fait une continue de l'amitié, sa relation avec Muawiya. Tous les années, il s'y est allé. Jusqu'à même, pour nous montrer sa relation avec l'amitié, c'est que dans la guerre, quand Tiena, sous-commandant de Yazid ibn Muawiya, le garçon de Muawiya, l'année 49 Hijri, quand Tiena, la guerre de Constantinople, quand Tibisa a fait la conquête de sa place là, et nous trouvons qu'Al-Hussein, radiyallahu an, l'y participe dans sa laguille-là ensemble avec Yazid ibn Muawiyah. Donc ça, c'est l'amitié qui tient pour nous comprendre après ça que ça les fin développer les fin vignes. Muawiyah ibn Abi Sufyan les fin prend une décision quand il est encore vivant pour quand il quitte sa dunya là et aller, c'est lui qui prend règne de Khilafat. C'est ce garçon, Yazid ibn Muawiya. Là, frère, en islam, comme on a dit, nous pouvons écouter, il est bon, nous attirer l'attention. Nous pas à la hauteur pour faire jugement de ban sahaba. Nous n'avons aucun droit pour dire qu'un tel ou un tel fin fauté dans telle ou telle décision. Ce jugement, nous quittons l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Muawiya ibn Abi Sufyan, il prend une décision pareille. Fini là, un grand sahaba qui était dans cette époque-là, ils ont fait d'accord avec lui et ils ont fait de lui bay'a qui, après cela, ils ont pu accepter Yazid comme calife. Mais ban qui dit dans Hijaz, dans Madina, parmi la dent, il y a Al-Hussein, radiyallahu an, il y a aussi ban les autres grands sahabi, il y a Abdullah ibn Omar, il y a Abdullah ibn Zubair, il y a Abdullah ibn Abi Bakr. Un grand sahabi, ça quatre là normalement, je pas fin accepter ça issue là. Je pas fin d'accord qui après Muawiya, c'est Yazid qui bisa vin calife. Et il fin reste comme ça même jusqu'à Muawiya fin quitte sa dunya là finale. Et quand Yazid fin vin calife, ce qu'il fin faire, il fin envoie un émissaire à Madina pour vin prendre l'engagement avec ban djimoun de Madina pour reconnaître lui comme calife. Et là, nous trouvons qu'Al-Hussein n'a pas de sens de position. L'opposition qui était été comme Muawiya, il n'est pas d'accord, il reste dans la même position, il n'est pas d'accord qui pour reconnaître Yazid comme calife. Alors, qu'est-ce qu'il fait après ça? Il quitte Madina, il aller vers Makkah et il reste là-bas même pour un moment. Ensuite, ce qu'il nous trouvait, c'est que dans Koufa, normalement, c'est un Shia. Un Shia, un partisan qui supposément de tirer avec Ali. Mais ça, ben là, le temps de fin tan qui Al-Hussein les fin quitte Madina, les fin vin vers Makka, je fin saisi une occasion que là pour qui je suis capable, moi, j'ai d'une façon faire Al-Hussein vin calife. Alors, je fin envoie en Véli à peu près 50 lettres. 50 lettres. Pour inviter lui pour venir vers Koufa, et là-dedans, je prends l'engagement qui est pour soutenir lui, je pour aider lui, je pour la guerre ensemble avec lui, je pour reconnaître lui comme calife. Ça, c'est Ban Shia, de Ban Lettre qui est venu envoyer. 50. L'étant Al-Hussein, il gagne sa Ban Lettre là, pour lui confirmer, si pas vrai même, Ban là, je te l'ose, je te parole qui est dire, qui est pour soutenir lui. Je te propose, comment on dit, la guerre ensemble avec lui et je pourrais reconnaître lui comme calife. Il fait envoyer son cousin, Muslim ibn Uqayl
Ibn Abi Talib radiyallahu an. Li nan va arriver qu'au fin pour la situation. Est-ce que vraiment sa bande de monde là, je te sincère, l'ose qu'ils ont peut dire ou bien non. L'étant musulman Ibn Uqayl, li rentre dans Koufa, banna accueilli incroyablement. Banna accueilli une qualité l'accueil qui lui-même lui pas fin atteindre. Toujours nous rappelle c'est ban shi'a ça. Le temps banna fin accueilli dans une situation pareille et le temps lui faire une réunion avec banna. Banna si tant je fin émotionné, tant je fin tandir qui El Hussein. Li pouvine envers je si jamais je donne li baya, si jamais je respecte je banna l'engagement. Alors banna fin émotionné dans ce moment-là et je fin extrêmement content. Et je suis d'accord. Il y a à peu près 18 000 djimoun qui fin donne sa bay'a en premier à Muslim ibn Uqayl, Ali al-Hussein, son cousin. Et ensuite, l'étant Muslim ibn Uqayl, il fin trouve sa situation-là, il fin envoie une correspondance à al-Hussein, il dit voilà, oui, donc au fin, il y a ban djimoun qui pour capable de ne pas le soutien, banna, fin accepter. Pour moi, pour moi, pour finir nos autres paroles, pour nous venir avec toi, alors tu es capable de venir vers Koufa. Mais ici, dans Koufa, ce qui finit arriver, c'est que Muslim ibn Uqayl est assassiné. Qui finit arriver? Yazid, qui est dans Sham, qui finit qui Al-Hussein pour aller vers Koufa. Alors, les fins envoient un des semaines émissaires, ce man wali, qui s'appelle Ubaydullah ibn Ziyad. Et lui, les temps les fins rentrent dans Koufa tout de suite, les fins commencent à appliquer une politique de dueté, une politique que là, les asté Banjimoun. Ils commencent à asté Banjimoun, conscience Banjimoun. Et les temps les fins commencent à asté conscience Banjimoun, c'est qui finit arriver. Ça même Banjimoun qui t'y donne. Cette allégeance, cette donne cette bay'a à Muslim, qui quand Al-Hussein pour venir, cette pour, mon dieu, vin avec lui, cette pour aider lui, cette pour tenir cette l'engagement, ça même Banjimoun, cette une casse cette l'engagement. Cette quitte Muslim tout seul, cette quitte lui tout seul, c'est que Ubaydullah ibn Ziyad, le fin attrape ça, Muslim ibn Uqayl, et ensuite, cette fin tuili. Cette fin tuili, et sa nouvelle là, Pafin arrive à Al-Hussein avant qu'il quitte Makkah. Lui, l'état de fin gagne depuis son cousin, qui, situation correcte, le fin finit sorti depuis dans Makkah, qui est dans l'intervalle Hajj, Yom Tarwiyah. Le fin quitté, et là, lui en chemin. Ce n'est qu'en chemin qu'il y apprend qui, ban habitant de Koufa, fin casse cette promesse qu'ils ont fin donné. Je pas fin tenir cette parole et qui ce cousin fin mort fin être assassiné. Dans ce moment-là, dit ce qu'il est fin faire parce qu'il n'est pas fin sorti pour la guerre. Il appartient à beaucoup de personnes avec lui. Qu'il est fin faire, il fin donne prendre décision pour lui retourner vers Makkah. Mais ensemble avec lui, tiens ban frère de Muslim ibn Uqayl. En d'autres mots, ce ban les autres cousins. Ban les autres. Je t'ai comment dire, insister pour qui je t'ai levé à Koufa qui faire, pour je t'ai prendre revanche l'amour des autres frères. Dans sa situation-là, Al-Hussein n'a pas fait une gagne, comment dire, aucune option excepté qu'il est obligé de rester avec Banna. Alors de là, je t'ai continué, je t'ai la route vers Koufa quand il y a mes nouvelles huit d'Il-Hijja. Et quand, normalement, il connaît sa nouvelle là, qui se cousait fin mort, il arrive dans un endroit qui s'appelle Al-Qadisiyah. Comme ça même, il continue sur la route, le 2 Muharram. Le 2 Muharram, les talibérants qui ont déjà pris avec Koufa, ils viennent dans l'endroit de Karbala. Là, ils trouvent devant lui un l'armée qui t'attendit. Un l'armée qui tient à peu près 4000 personnes là-dedans. Il est sous-commandant de une personne qui s'appelle Omar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Quand nous connaissons normalement Sa'd ibn Abi Waqqas, c'était un grand sahabi. C'était ce garçon. Et ensemble avec lui, il y a une autre partie, l'armée, qui est venue, qui vient de nous.
qui sous le commandement de Ubaydullah ibn Ziyad, qui sont fin jeune et sont tout à peu près fin vin, 22 000 personnes. 22 000 personnes, l'état al-Hussein, il y a ce qui est devant lui, il est vraiment, il n'a aucune balance parce qu'avec lui, il n'a accepté ce qu'on appelle dans les environs 90 dimoun. Tout avec ce monsieur, ce madame, ce bon enfant. 90 dimoun pour faire face à une armée de 22 000 personnes, il n'est pas possible. Là, al-Hussein, ce qu'il est venu faire, il est venu servir une stratégie. Une stratégie, quand il est venu essayer, trouve une solution à ce problème-là. Quoi? Il envoie envers Saad. Omar ibn Saad ibn Abi Waqqas, quelques bonnes points, trois choix, qui lit al-Hussein, lui permet ça devant eux. Alors, eux, je vais dire, d'une façon, si je suis d'accord, eh bien, ça qu'un comme on dit d'une façon, il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune dissent qui vient ici. Ça trois points-là, premier, il dit al-Hussein, d'accord, d'une façon, il dit qu'il retourne vers la place qu'il finit revenir. Veja, il retourne vers Makkah. Quitte lui comme ça même, il retourne vers Makkah. Soit, il est dans une place côté na jihad, il y a la guerre. Deuxième et troisième choix qu'il est fait mettre devant Banna, c'est qu'il est envers Yazid ibn Mu'awiyah qui est dans Damasque, dans Sham, et il donne lui ce qu'on appelle Bay'a. Trois choix qu'il est fait mettre devant Banna, mais ce qui nous apprend, nous pouvons trouver dans l'histoire qui Ubaydullah ibn Ziyad n'est pas fin d'accord avec ce bon choix-là. Il n'est pas fin d'accord parce qu'il dit, il tient une lutte qui se donne sur la tête, c'est que Hussein, radiyallahu anhu, soit il soumet en tant qu'un prisonnier, et il prend lui comme un prisonnier, il amène lui que Ziyad, et puis il n'a aucun choix à part ça. Quand Hussein finit le choix de Banna, il n'est pas fin d'accord. Il n'est pas fin d'accord pour se mettre en tant qu'un prisonnier. Et qui, je t'amène lui, côté Yazid, t'amène prisonnier. Alors, c'est là qu'il nous trouve qui, sans la guerre, là, il pourrait avoir lieu après ça. Mais quand même, ça, al-Hussein, radiyallahu anhu, avec Ban qui tient avec lui, get sa parole qu'il dit à Banna. Il dit à Banna comme ça, laqad barartum wa awantum, certainement, je t'fin être obéissant et je t'fin coopérer avec moi. Welcome là, yuriduna ghairi et ban jimun, c'est-à-dire ban l'ennemi, ban l'autre côté, je n'ai pas besoin d'accepter moi. Walau kataluni lam yabtaru ghairi ahadan. Si je fin tuer moi, je n'ai pas pour tuer l'autre, autre que ça. Fa'idha jannakumul layl, fatafarraku fi sawadihi, wanjou bi anfusikum. Si la nuit vini, alors, sauve je même. Alors, sa ban qui tient avec lui là, qui major, toute sa famille, c'était avec lui. Là, Banna, je dis à lui comme ça, ma'ad Allah, nous cesse protection avec Allah, bal nahya bi hayatika, mais nous vivons par de la vie, wa namout bi mautika, ma'aka, et nous mourons avec toi. Donc, al-Hussein, dans ce moment-là, c'est que les fin gain, sa ban jimouna, veillez sur la famille qui tient avec lui, je fin koumanjia, fin la guerre ensemble avec lui. Et comme ça, même un truc qui. L'armée qui Ubaydullah ibn Ziyad tient avec les autres fins servis, c'est que les autres fins empêchent al-Hussein pour gagner de l'eau pendant quelques moments, en quelques bons jours. Et après ça, finit dans la guerre, et Ban qui tient avec al-Hussein finit la guerre, même al-Hussein radiyallahu anhu finit la guerre, et ça c'était le 10e Muharram qui finit arrive dans la guerre là. Le 10e Muharram finit dans la guerre de Karbala, entre Sadi côté là, qui partit n'a aucune balance entre les deux. Et ce qui finit arriver dans la fin, ce qui nous finit trouve, qui est al-Hussein, il finit shahid dans Salagiela, il finit shahid et que Banna finit solico. Parmi Ban qui finit la guerre ensemble avec al-Hussein, nous gagnons Ban's enfants de Ali ibn Abi Talib, Tina Abu Bakr, Muhammad, Othman, Jafar, al-Abbas. Ça Ban non là, dit bon nous, porte attention. Abu Bakr, Muhammad, Uthman, parce que nous sommes grands sahabis. Nous sommes garçons de Al-Hussein, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Al-Akbar, Abdullah, nous sommes garçons de Al-Hassan, Abu Bakr, Omar, Abdullah, Al-Qasim, nous sommes garçons de Uqayl, c'est-à-dire son cousin,
Sina Abdullah, Abdurrahman, Abdullah ibn Muslim ibn Uqayl. Et nous avons aussi un garçon de Abdullah ibn Ja'far qui fait la guerre ensemble avec Ali ibn Abi Talib. C'est un seul qui fait échapper, ne pas dire échapper, dans le sens qui n'est pas fait participer dans cette guerre-là, Zain al-Abidin, qui est tout seul parce qu'il est si malade. Donc c'est une seule personne dans le linage de Al-Hussein qui fait être échappé, n'est pas fait mort. Comme ça même, nous venons vers la fin, côté là, le témoin qui. Al-Hussein est fait shahid dans sa guerre. Nous écoutons Ibn Taymiyyah rahimahullah qui lui dit lors de cet événement-là, lors de cette musibat-là. Il dit que le Hussein est musibat. Quand il tue Al-Hussein, c'est une musibat. Min a'zam al-masa'ib parmi les grandes musibat. Yanbaghi li kulli muslim idha dhakaraha an yaqula inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout bon musulman, quand vous imaginez cet événement-là, il y a une action qui nous utilise à faire. Dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pas taper l'estomac, pas décialer, pas faire pareil comme un jahiliyat qui peut faire, pareil comme on trouve un certain ban peut faire à Maurice. Ensuite, Ibn Taymiyyah dit wa aqul, et me dit si un membre de nous l'écho, lui détester Al-Hussein ou bien la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on est qui sa membre là, nous bise à coupler nous et lui. Qui fait? Parce qu'il nous content Al-Hussein et nous content la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un amour qui n'est pas dépasse limite qui vient être enseigné par Coran et par Hadith. Comme ça même frère, sur l'islam, ce qui nous a connu concernant cet événement-là, concernant Yazid ibn Muawiyah. Beaucoup de fois, malheureusement, dans l'intervalle pareil, il y a beaucoup d'insultes qui dit alors Yazid et aussi sur papa Muawiya et sur dada aussi. Mes frères et sœurs en islam concernant Yazid, Ibn Taymiyyah rahimahullah, l'état il peut dire sa parole là, il dit mon papa dit ça pour défendre Yazid. Même si nous pouvons lire l'histoire de Yazid, nous pouvons trouver qui Yazid, il tient à ce bon mauvais côté dans lui, mais aussi il tient à beaucoup de bon caractère dans lui. Ensuite Ibn Taymiyyah il dit إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل. لجاكي يزيد بن معاوية jamais fin de l'ordre pour tuer Al-Hussein et tout bon savant de Dakolo là. Mais qui fait nous vient accuser? Qui fait nous vient accuser? Malheureusement, beaucoup pas connaissent l'histoire à cause de ça même qui nous pensait que Yazid est l'armée dans. Shahada de Imam Hussein radiyallahu anhu. Mais il n'y a aucune action directe. Seulement dit ce qu'il est fin faire. Le temps il fin tandja qui Al-Hussein qui a levé à Koufa et là-bas il pouvait comment dire gouverner. Alors il fin envoie un de ce ban émissaire pour empêcher vin gouverner. Ça même l'autre qui est fin donné. Pas plus que ça. Mais si Yazid pas fin tuer Al-Hussein, mais qui s'en a qui fin tuer Al-Hussein? Si nous allons lire dans l'histoire encore, nous pouvons le trouver. Celui qui fin tuer Al-Hussein, c'est un chiiri. Ils font partie dans sa secte qui appelle Shia. Et ça, ce n'est pas ban sunni. Normalement, nous avons un problème avec ban chiiri. L'ennemi, parce qu'ils ont fin déclarer l'ennemi. Et puis, il n'y a aucun doute, le temps guide dans la même autre livre. Je te soi-disant qu'ils sont contents à l'Obeït, dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement le temps guide dans autre livre, on a trouvé que c'est eux même qui finent tuer Al-Hussein, pareil qu'on m'a mentionné dans un livre, Ayan al-Shi'a, page 340, page 34, que l'écrivain lui dit, Al-Sayyid Muhsin al-Amin, lui dit, Baya Al-Hussein 20 alfan min al-Ahl al-Iraq, 20 000 jimoun. Dans l'Irak, fin d'une bay'a al-Hussein, radarou bihi, zot fin casse de l'engagement, wa kharajou alayhi, et zot fin sorti contre lui, wa bay'atihi, et zot l'engagement qui zot fin frère, fi anaqihim, wa katalouhu, et zot fin tuili. Et ça, fin mentionné dans le livre de Ban Shi'a, zot même. Alors, frère en islam, pour terminer, lors de cet événement-là, c'est que Ibn Kathir, rahimahullah, dit, tout bon musulman, quand vous imaginez cet événement-là,
votre bizarre et un chagrin dans votre même vis-à-vis cet événement-là. Dire parce qu'Al Hussein était parmi ban chef de ban musulmans, était parmi ban ulama, était ses enfants, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était bien content, était Fatima, était enfant de Fatima. Il était une personne qui était adore Allah beaucoup, il était une personne qui était généreux, mais seulement, qu'est-ce qu'Ibn Kathir dit, il n'est pas convenable ce qu'il ban djimoun faire en ce qu'il s'agit, montrer cette lamentation. L'amour de Al-Hussein. Ça, les anti-islamique. Peine aucune place qui enseigne nous pour agir dans sa façon-là. Au contraire, Ibn Kathir lui dit qu'il a la possibilité qu'il va faire cette ban action-là pour faire des gens trouver qu'ils soi-disant sont contents, Al-Hussein et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, événement-là, il mentionne que Ibn Kathir lui dit qu'il fait ban là, je ne pas faire la même action lors. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui fin shahid. L'eau c'est lui qui est plus meilleur que Ali, l'eau Othman ibn Affan radiyallahu anhu qui lui aussi le fin shahid. L'eau c'est lui qui est plus meilleur que Othman, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui lui aussi le fin shahid. L'eau Abu Bakr al-Siddiq qui lui est plus meilleur que Omar. Et l'eau le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le fin wafat, le fin décédé, qui fait ben n'a pas lamenté sa ban jour là, qui se disait lamenté seulement. À cause Hussein radiyallahu anhu fin shahid. Et sa réponse là, inshallah nos frères Pierre Baye pour de nous, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour comment dire comprendre nous l'histoire convenablement et qui avant nous la langue frère sur en islam ça la langue là laisse pas laisser la langue là cause le mal l'oban sahaba en général. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تغنديب الله سبحانه وتعالى نوفالا بيبن إزكشون لو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous ne pas vous prendre trop beaucoup de temps, une vingtaine de minutes, inshallah, pour nous éclaircir un point qui est très important concernant position un musulman vis-à-vis compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est très important, frères en islam, pour nous capables de situer nous-mêmes. Tout d'abord, vis-à-vis ban personnalité qui fin accompagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie prophétique. Qui fait l'important parce que aujourd'hui, nous arrivons dans une époque que aujourd'hui, si tant est facilité pour gagner information, facilité pour connaissance, pour gagner la connaissance digne, malheureusement, parfois, au lieu qu'il nous gagne connaissance qui est authentique, parfois nous gagne une connaissance qui est faussée. Et parmi l'exemple, une connaissance qui est faussée, qui est très grave, qui a une implication très grave, tout d'abord, la question de Majalis. La question de Majalis, qui, dans l'époque de Muharram, beaucoup d'innocentes, de madame, dérangé, asseoir dans le noir, une madame tout seul, puis moi aussi. Puis elle a assisé pendant un an de temps, puis elle écoute, raconte des histoires, et elle peut retourner dans l'obscurité qui a été sacrifié ça. Mais seulement, qui dit dans le CSC, il paraît comme sa proverbe arabe, Hatribul Layl, comme si il finit collecter du bois pendant la nuit. L'exemple là, c'est un exemple d'un pays côté n'a serpent. Si un démon a collecté du bois pendant la nuit, il est capable de trouver un serpent, il croit du bois. Et quand il est trappé, il est maudé par sa serpent, il mort. Ça même qui, beaucoup de nos bonnes sœurs, par l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes dérangés pour le raconter, pour l'écouter des histoires, Ahlul Bayt, des histoires Fatima radiallahu anha, des histoires Hassan et Hussein. Mais
En conclusion, quand j'ai fini, écoute ça, je suis sorti avec gros la haine vis-à-vis ben meilleur insan qui finit vivre l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, frère en islam, nous pouvons vivre dans l'époque que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous un sens, une faveur qui, dans sa pays, quand c'était facilité qu'il nous peut gagner pour apprendre nos dînes, qui dans l'école gouvernement, malgré nous représente 15 à 20%, nous gagnons l'opportunité pour apprendre la langue arabe, nous gagnons l'opportunité pour apprendre Islamic studies. Là, il y a un nouveau sujet qui est venu d'Ignat, qui, dans l'examen Forme 5, permet tout pour apprendre Aqida, permet tout pour apprendre Hadith, permet tout pour apprendre Fiqh, sujet qui permettait. C'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, frère en islam, qui arrivait parfois, qui ou peut laisse aux enfants apprendre Islamic studies, mais quand il finit apprendre ses Islamic studies, il finit composé, il sort de l'école, il quitte l'école avec la haine de celui qui est pour certains ben grands sahaba qui étaient très respectés à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui n'arrivait, frère en islam, que dans beaucoup de livres qui est enseigné au niveau Forme 5 ou bien HSC, il y a beaucoup d'informations qui contraire à nos dînes, qui contraire à nos aqidas, qui malheureusement, beaucoup de jeunes sont victimes parce que je n'ai pas gagné du monde pour capable qu'on résoudre, sauf si un professeur est vigilant, il comprend le problème qui dans sa ban texte, il est capable d'expliquer ce ban élèves, mais la majorité ban élèves sont sortis, sont fins, sont aqidens corrompus vis-à-vis ban grand personnalité de l'histoire dans l'islam. Mais aussi, frère, en islam, nous pouvons vivre dans une communauté que nous connaissons, nous morceler en plusieurs bouts, nous nous cassons bout avec chacun différentes façons de voir, différentes croyances. Nous gagnons certaines ban djimoun, ban chia parmi nous, il y en a une croyance. Nous gagnons certaines les autres communautés parmi nous, musulmans, qui en a les autres croyances. Alors, nous capables, et nous avons des collègues, ou bien camarades, ou bien voisins, voisines, ou bien même des membres dans la famille qui veut dire adopter la religion chia, ou bien certaines ben, les autres, et finalement, ils partagent avec nous certaines ben, faussetés qui ne nous pas connaissent, et finalement, nous croient de quelque chose qui est très grave. Parmi les ben, mensonges qui, en islam, parmi les ben, mensonges, qui en circulation, c'est sa gros mensonge. Tout d'abord, le Omar ibn Khattab, radiallahu an. Mensonge, le Uthman ibn Affan. Mensonge, le Aisha Siddiqa, radiallahu anha. Mensonge, le presque tout ban sahaba. Aujourd'hui, nous précisons, peut-être beaucoup de gens ne sont pas au courant, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant Hajj qu'il est fin faire, il y en a 100 000 sahabis qui témoignent le sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine 100 000 meilleurs djimoun. Pareil comme Abdullah bin Mas'ud radiallahu anjiya, inna allaha nadhara fi quloub al-ibad. Allah fin get dans les cœurs tout ban insan. Fakhtara qalba Muhammadin. Les fins trouvent, les fins choisissent les qui est de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wastafahu li nafsi. Et Allah fin choisit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie lui comme messager. Thumma nadhar Allahu fi quloub al-ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fin guide dans les qui est ben les autres après les qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فاختار اصحابه لصحبه نبي صلى الله عليه وسلم et les fins choisies ban sahaba pour accompagner rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa ban jimun sa 100 000 jimun ban shia dans ce livre je dis dans sa 100 000 si arrivé fini na 100 000 sahaba je dis qui 999 995 sahaba kafir, pas musulman. 99 995 sahaba, pas musulman d'après
aqida ban shia ki zot vize zot renonce islam parole ki zot fin dia le Omar bin Khattab radiyallahu anhu qui trouve dans Al-Kafi dans livre de ban shia qui représente Bukhari dans nos religions. Nous connaissons après Coran, livre plus sacré, c'est livre Al-Bukhari, Hadith Bukhari. Ban Shia est un livre qui surpasse Coran, qui est plus sacré que Coran. Parce que pour eux, Ban Shia, comme on fait référence dans notre livre, sa Coran qui est dans nous la Mela, c'est un Coran qui falsifie ça. Il peut avaler. Vrai Coran, d'après eux, c'est Mus'haf Fatima, radiyallahu anha, qui est cassé avec Muhammad al-Askari, le Mahdi prétendu. Le Mahdi qui, d'après eux, est un Mahdi qui appelle Muhammad al-Askari, qui lit les fins rentrent dans la cave, et il n'est pas encore sorti, et quand il est sorti, lui-même, il pouvait être leader de Ban Shia. Alors avec lui, il y a Mus'haf Fatima. Sa livre qui peut lire, sa livre qui imam peut lire dans Salat, c'est un livre qui est falsifié par Ban Sahaba. Alors, je dis dans ce livre Al-Kafi. Al-Kafi, c'est révélation Allah d'après eux, l'autre ban imam. Révélation Allah, l'autre ban imam, qui Allah révèle le Ali, Allah descend révélation, le Hassan, le Hussein et le Sadouz imam. Et dans sa livre Al-Kafi, fait référence à un djimoun de Jahannam. Un djimoun de Jahannam est né de la scène avec des boules ferrailles et puis rampé. Alors quand il peut ramper, il arrive côté Iblis. Iblis, lui, il vient dans la scène avec une boule ferraille. Iblis, il dit, si moi, je suis dans la scène boule ferraille, mais toi, qui est là, toi? Alors il dit, moi, c'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc, frère en islam, il est important, nous, en tant que musulmans, nous connaissons nos positions vis-à-vis de cette insan, cette meilleure génération qui vient vivre. Qui Allah finit de se léquer dans nous léquer, nous pas qualifier pour accompagner Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui Allah finit choisir les autres, alors une parole pareille, les supposer faire nous réagir, dans quel sens? Réagir à l'Badjimon? Non. Réagir pour donner sa banne là, je dû, je droit et je mérite, et pour prendre eux comme le modèle dans nous la vie de tous les jours. Ça même Badjimon. Qui peut-être par manque de connaissances ou pas peut-être qui profondait cet égarement et qui profondait cette la haine vis-à-vis sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un de cette bande, grand savant. Malheureusement que beaucoup de gens, quand les gens font bon, nous disons qu'ils font bon. Quand les gens font le bien, nous disons qu'ils font le bien. Mais seulement, ça ne veut pas dire qu'il sait rien qu'il fait, faire, veut dire qu'il nous garde silence de ce rire. Il y a un savant parmi ban Shia qui est beaucoup ban Sunni, capable de prendre comme leader, je t'appelle l'imam al-Khomeini, qui citant les fins causes ban Sahaba, citant les fins blâmes ban Sahaba, peut-être, ou pas trouve-lui le jour quand il est mort, et ou capable de gagner l'occasion par le YouTube, pour le le jour où il est mort, Allah t'y met l'itouni. Il t'y sape l'eau, hélicoptère, sur le kafan t'y saute l'eau, il t'y tombe nu. Parmi ce ban million suivant. C'est un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Parce que Imam al-Khomeini, en parenthèse, Imam d'après Ban Shia, lui dit qu'Uthman tient homosexuel. Uthman ibn Affan, radiyallahu an, tient homosexuel. Et pas seulement tient homosexuel, lui dit content qu'il y a une relation avec Ban Bourik. Donc, frère en islam, nous, comment nous réagissons encore une fois? Nous, l'amour pour Sahaba, il a augmenté quand nous tenons ça. Nous, respect pour Ban Sahaba, il a amplifié quand nous tenons ça, quelque chose, pour c'est ça meilleur message qui nous capable d'avoir Ban Djimoun qui peut prendre la haine pour Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui Ban Shia fin dire pour Aisha al-Siddiqa radiyallahu anha? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Quran Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran Inna Allah ya'murukum en faisant référence à Moussa alayhi salam qui peut cause avec ban juif. Allah peut donner l'autre qui est égose une vache. D'après tafsir, certains mufassirin ban Shia, Baqara ici la vache c'est Aisha radiyallahu anha. Qui Allah fin donne l'autre pour égose, l'épouse bien,
l'épouse préférée de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa même prophète Kaban Jimon s'est demandé Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ayyun nas ahabbu ilayk? Qui Jimon te plie content? Il dit Aïcha radiallahu anhu, plie content Aïcha. Sa Aïcha qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit content lui, ben pe dit que Allah fin donne l'autre, il qualifie lui comme une vache, qui Allah fin donne l'autre pour égose celui, pour coupe celui coup. Mais plus grave, qui Al-Khomeini fin dit, qui quand Zot Imam Al-Mahdi, soi-disant pour venir, première action, qui Imam Al-Mahdi, d'après Zot Imam Al-Mahdi, avec nous, Imam Al-Mahdi n'a pas pari. Zot Imam Al-Mahdi, Muhammad Al-Askari, qui en fait-il, qui n'est pas un gars enfant, pour ça qu'il va dans cassette ou bien tout, il dit, parce que l'igné là pour couple la même, il n'est pas capable d'avoir des enfants. Pour Zot, Al-Khomeini dit que quand Zot Imam Al-Mahdi pour venir, première action qu'il pour faire, les poutiers Aïcha radiallahu anha de son kabar, les pour détiali, les pour donner 100 coups de fouette de zina, les pour battre sa cadavre 100 coups de fouette parce qu'il finit faire l'adultère d'après Al-Khomeini. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala peut défendre l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala apporte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah envoie un verset unique qui défend l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna alladhina yarmouna al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilati al-lu'inu fi dunya wal-akhira. Celui qui accuse injustement bonne croyante, ghafilate qui loin avec tout bon l'esprit indécente, mu'minat et bonne croyante, zot maudit dans dunya et d'akhirat. Alors donc, frère en islam, il y a beaucoup bonne causé qui peut dire de tout et à travers bon jimoun qui peut attaquer sahaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et comme on le fait dire précédemment dans Islamic Studies, peut faire croire qu'Abu Sufyan c'est l'ennemi d'Allah, l'ennemi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut faire croire qu'il Muawiya qui lui fait la haine avec Ali radiallahu anhu avec Ahlul Bayt, tout cela c'est une pure fausseté. Et voilà qui nous gagne aujourd'hui un nouveau groupe là qui peut prétendre qui ban sahaba, veut dire je n'êtes pas ban jimoun de confiance à cause ça nous pas capable de prendre cette parole. Nous besoin trabzis Coran, nous besoin trabzis Coran, alors nous pas capable de prendre parole, veut dire hadith, parce que hadith fait manipuler. Qui s'en a fait manipuler hadith? Veut dire sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Abu Zura, radiallahu anhu, Imam Abu Zura, un grand savant, lui dit Man intaqasa ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'aytum, man intaqasa ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Si je trouve quelqu'un qui peut cause mauvais pour un sahaba, fattahimhu ala l'islam, mettre en doute sur l'islam. Dans l'autre version qui est rapportée par Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il dit c'est lui qui fait diminuer une petite chose, fait diminuer mérite de ban sahaba, alors considère sa dimon là un zindiq, fattahimhu zindiqan, qu'il y a un munafiq. Ban ulama de l'islam, cette position vis-à-vis celui qui cause mauvais pour ban sahaba, qu'il y soit Abu Bakr, le meilleur de tous les sahaba, ou bien qu'il soit le plus petit de les sahaba, c'est lui qui cause mauvais d'après la loi Allah, d'après la loi qui est née dans la chariat, bizin batli discute fouette et condamne-li à vie de prison. Batli discute fouette et condamne-li à vie de prison. Prison, ça c'est position ban ulama qui suivent Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frères en islam et sœurs en islam, qui va lire sahaba dans din? Si on dit mon avis qu'on va lire sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoute dans le Coran, combien de versets qui font cause le sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Beaucoup de versets. Parmi les versets qui sont importants pour nous, Allah peut donner nous l'ode et peut donner nous, veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous garantie succès si nous suivons chemin qui finit tracé par les sahaba. Dans la sourate Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ban premier musulman min al-muhajirina
wal ansar parmi ban muhajir ban qui fin émigré depuis Makkah fin vin Madina ban ansar et ban qui fin akayazot da Madina wal ladhina tabauhum bi ihsan et ban musulman qui fin vin après qui fin suivre zot de ça qui bon radiyallahu anhum wa radu an Allah est satisfait avec zot qui veut dire Allah est satisfait avec ban muhajirin Allah est satisfait avec ban ansar Allah satisfait avec celui qui suit ban muhajirin et celui qui suit ban ansar wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar et Allah fin prépare pour ban muhajir et pour ban ansar pour ban qui suivent et respectent ban sahaba Allah fin prépare pour eux un paradis sous lequel ban la rivière est coulée ça c'est promesse et peut démontrer mérite sahaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans l'autre verset Coran Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa man yushaqiq ar-rasul celui qui oppose rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yad min ba'd ma tabayyana lahu al-huda après que la vérité fin vient ou contredit rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou tourne les doigts avec l'enseignement rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après que la vérité vient claire devant vous wa yattabi' et je suis ghayra sabil al-mu'minin un autre chemin apporte chemin de ban croyant ici croyant quand vous êtes tout livre tafsir quand verset là peut descendre ban croyant c'est sahaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah peut dire nous wallihi ma tawalla nous laisse les tourner quand ils tournent wa nuslihi jahannam et nous brille dans l'enfer wa sa'at masira une mauvaise place qui veut dire c'est lui qui tourne les dos avec le chemin de ban sahaba Allah subhanahu wa ta'ala il peut briller dans l'enfer mais c'est pas avant de continuer frère en islam qu'on peut dire bien suivre sahaba Pandjao monte sa mot. Ce n'est pas sa question là, ça paraît comme Pandjao suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pandjao veut dire mettre un kaïté savat, ou bien monter un bourrique, ou bien monter un chameau, non. Ici, quand on peut dire suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien suivre trace qui finit tracée par Sahaba, veut dire pratique din qu'ils ont fini pratiquer. Croire de ça qu'ils ont fini croire. Ena veut dire ça qui a été principe qu'ils ont fini là, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit dire. Dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer nous valer sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith rapporté par Muslim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire La tasubbu ashabi, n'a pas cause mauvais pour mon ban sahaba. Fawalladhi nafsi biyadi, mufassir mal au nom Allah qui me lavi dans son lamé. Law anfaqa ahadukum mithla jabal uhudin dhahaba. Si un parmi nous, montagne Uhud, c'est lui qui n'a le fait Umbra, il connaît qui grossit sa montagne, il a été. Si vous n'avez pas le fait Umbra, vous pouvez rentrer l'internet ou qui grossit une montagne, ou d'été. C'est lui qui dépense une montagne en l'eau, qui quantité millions de tonnes. L'eau. Ma balara mudda ahadihim wala nasifi. Sa quantité qui vous fait donne en l'eau, donation pour Allah, il n'a pas pour égal à jamais une poignée l'eau qui un sahaba fin donné ou bien la moitié poignée. Sur la moitié poignée l'eau, les plis et la valeur devant Allah qui une montagne l'eau si vous donne fils abilillah. Qui quand c'est valeur, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Enzou, banjimun fin min kot Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, cinquième calife, ban ulama considéré comme cinquième calife, six enfants, Omar ibn Khattab. Premier calife Abu Bakr, deuxième Omar, Uthman, Ali. Ensuite, il y a Hassan. Mais seulement, Hassan, 6 mois, il fait faire khilafat. Et ensuite, en 99 Hijri, à 101 Hijri, 3 ans, c'était une grande, grande personnalité, un grand savant, un grand leader, Omar ibn Abdul Aziz. Dans cette époque, pas qu'il y a des misères. Dans cette époque, pas qu'on y peut faire au zakat. Quand il y a des gens, ils ont dit, oh Omar ibn Abdul Aziz. Est-ce que qui valait ena sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou plutôt frère en islam Imam Ahmad banna finjali be o Imam Ahmad qui s'en a plus valia Omar ibn Abdul Aziz ou bien Muawiya o Imam qui s'en a plus valia Omar ibn Abdul Aziz qui pas tient sahaba li mais c'est moi tient grand grand personnalité li en a pris valeur ou bien Muawiya radiyallahu an Imam Ahmad dit la poussière d'un aîné Muawiya
qualifie accompagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans une expédition, dans un jihad. Qualifie une mosse avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La poussière qui dans son aîné, mille fois plus en avalée qui Omar ibn Abdul Aziz. La poussière d'un aîné, Muawiyah radiallahu anhu. Donc, quand c'est valé, qui Allah, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui ban ulama, fin donné aux sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban ulama, mettons à garde, quand on trouve un djimoun, pour cause mauvais pour sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en fait, les papes attaquent sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les papes attaquent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il dit, fin venu, frère en islam, à travers sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa Coran, fin est transmis à travers sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa hadith Bukhari, ban hadith qui fin venu à travers sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zodi, aucun kafir, aucun la fausse, pas capable de mettre en doute l'authenticité du Coran. Jusqu'à aujourd'hui, je fais une route qui est défaut dans le hadith Bukhari, je ne suis pas capable. Mais aujourd'hui, qui peut faire, peut porter atteinte à l'intégrité sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour capable d'enlever l'attaque vers le Coran et vers sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frère en islam, très important qu'il nous comprend valer sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est à travers eux qu'ils nous comprennent. Si pas c'est un sahaba, nous pouvons comprendre le Coran en mille façons. Parce qu'il y a beaucoup de textes qui ont plusieurs interprétations. Parmi les textes qui ont plusieurs interprétations, qui ne sont pas capables de comprendre par nous-mêmes, excepté à travers le sahaba, je vais donner l'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, « Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun » Celui qui n'a pas fait un jugement, n'importe quel jugement. Par exemple, un marié civil. Ou bien, par exemple, vous avez un problème avec un djimoun, avec un voisin, on a la police. Ou bien, on a un problème avec madame, on a une caisse la cour, l'inagressou. Ou bien, on agresse lui, caisse dans la cour. D'après sa verset, dans le sens littéral, c'est lui qui fait ça, il n'est plus musulman. Son nika cassé, byzantin dans le cimetière, kafir, souvent des enfants zina, dans le sens littéral. Mais ce qui est comme ça même, qui ça, cette interprétation-là, non. Comment nous ne connaissons pas comme ça? C'est à travers le sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, quand il explique sa verset là, il dit kufrun duna kufr. C'est pas sa kufr qui sort en dehors de l'islam là, ça. C'est kufr de la pratique. C'est kufr de la pratique. Un gros péché. C'est un démon liquide, jugement de l'islam. Au lieu qu'il y ait le guet, mais qu'il l'islam dit là, il galope dans l'autre système pour sa passion, pour lui gagner certains avantages. Alors, il finit faire couf de la pratique. Il n'est pas fini sortir en dehors de l'islam. Comme ça, il y en a beaucoup de textes dans le Coran qui ne sont pas capables de comprendre, excepté à travers l'explication de ban Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frère en islam, très important qu'il nous étudie la vie de ban Sahaba, qui nous donne cette valeur, qui Allah subhanahu wa ta'ala finit donne cette, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit donne cette, mais ban Sahaba reste insan. Ban Sahaba est insan. Vous n'êtes pas prophète. Vous êtes un manquement dans eux. Mais c'est ma différence entre nous, frères en islam, et Sahaba. C'est que quand on fait une faute, vous n'êtes pas retourné sa faute. Pas comme à nous. Nous, 100 fois, nous faisons même rire. 100 fois, nous demandons pardon. Et 101e fois, nous réfléchissons. Mais Sahaba, non. Sahaba, il boit. Sahaba, il coquin. Sahaba, il fait certaines bêtises. Mais quand vous finissez faire taouba, vous êtes rétracté. Vous n'êtes pas retourné via désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux dire, je suis sincérité, plus que nous, insan, c'est pour ça que je suis meilleur insan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle quantité mérite, quelle quantité éloge qu'il finit faire pour sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on soit valéa. Zodi, ban Shia, ou bien certains djimoun, malheureusement certains sunnis qui peuvent suivre, peuvent faire éloge un sahaba au détriment de l'autre sahaba. Peuvent faire éloge Ali. Pe modi Muawiya, pe modi Abu Sufyan. Si vous calculez Abu Sufyan, qui beaucoup de gens peut-être qu'ils pensent mauvais Abu Sufyan ou bien Muawiya. Muawiya, qui Rasulullah sallallahu alayhi plus confiance. Qui fait Muawiya, qui Muhammad sallallahu alayhi plus confiance. Parce que ensemble avec Zayd ibn Thabit,
Rasoul Hassan pas qu'on écrit un Nabi al-Ummi et pas qu'on écrit quand le Coran descend bien écrit qui s'en a expliqué le Coran Zayd ibn Thabit Muawiya ibn Abi Sufyan Muawiya c'est lui qui ban Shia pédia yann kafir ou bien l'ennemi d'Allah get quoi cette période vini si vous rentre dans sa pièce qui veut dire l'infos Coran si vous dire que Muawiya malhonnête mais lui-même qui n'écrit le Coran comment qu'on a confiance dans ce Coran. Ben, ulama, une cause extrêmement, une parole très technique. L'attaque le sahaba, c'est l'attaque le Coran. L'attaque le sahaba, c'est l'attaque le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce valia, alim. Ben, j'imon fin vin dia, oh Abdullah bin Mas'ud, te trouver Muawiyah pe fairea. Abdullah bin Mas'ud dit, reste tranquille, innahu faqih. C'est un faqih, c'est un savant ça, Muawiyah. Il gagne un conflit avec Ali, basant l'interprétation Coran. Ali finit interprète un hadith, Lili finit interprète un Coran. Muawiya radiallahu anhu dit jamais mon fin retrace khilafat dans la main de Ali. Moi, je peux faire ce qui Allah n'a jamais fait. Muawiya appartient à tout de sa sens qui beaucoup de monde peut faire croire. Parce que c'était Uthman le calife dans son époque qui désigne Muawiya comme le gouverneur au Sham. Ça veut dire ce chef c'était Uthman. Il est gouverneur, ce wali, c'était Uthman ibn Affan. Et Allah peut dire dans Surah Al-Isra. Allah peut dire dans Surah Al-Isra. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud dit par autre cause mauvaise le Muawiyah, parce qu'il connaît lui. Il peut faire amal la connaissance. Allah peut dire dans le Coran وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا c'est lui qui finit assassiné injustement. فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا nous finons donne permission à son représentant pour chasser. A veut dire prend sanction le crime, l'assassin du calife. Nous fin donne la permission à son représentant pour sanctionner l'assassin. Mais c'est même sans qu'il y exagère. C'est ça même Muawiya qui fin fait. Il n'est pas de contredire Ali. Lui. Mais c'est même Ali, c'est la plus raison parce que de ce moment-là, c'est Bayra Tibizavine en premier. De là, Tibizavine, l'assassin du Rothman. Discussion féminine, la priorité. Non pas la haine entre Ban Sahaba. Ça, c'était. Valet de Muawiyah radiallahu anhu. Et surtout, frère en islam, quand Muawiyah est venu à Madina, Muawiyah qui est venu à Madina, il fait une réclame, Saya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour lui mettre l'oli. Comme un privilège. Et qui s'en a fini de lui ça? Aisha radiallahu anhu finit de lui. Saya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin de mettre l'oli. L'écho de Muawiyah. Si vraiment tu es l'ami de l'islam, est-ce que Ban Sahaba, tu peux autoriser lui mettre Saya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Abu Sufyan radiallahu anhu dans la guerre de Taïf. La guerre de Taïf, quand, comme Allah peut dire dans Surah Tawbah, wa yawma hunayn, id a'jabatkum kathratukum, falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahbat, thumma wallaytum mudbirin. Le moment de Hunayn, pendant l'expédition de Hunayn, ben sahaba, si t'en fin, veut dire fin, God confiance, le autre la fausse. Parmi eux, je peux dire, 316 mondes nous faisons victoire aux kafirs. Jamais nous ne perdons. Aujourd'hui, nous avons 10 000 guerriers. Qui est capable de nous là-bas? Qui est capable de nous faire des fêtes? Allah n'est pas content de ce raisonnement-là. Parce que c'est Allah qui donne victoire. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Wama ramayta wa id ramayta walakin Allah rama. Ce n'est pas toi qui tuyais. Ce n'est pas ton flèche qui est capable de faire changement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas content. Allah fin donne un choc. Pendant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ban Sahaba peut passer par le Via Taïf en des montagnes, dans le couloir. Je finis d'être pris en embuscade là-haut, Ban flèche peut descendre là-haut. Qui n'arrive Ban Sahaba? Surtout Ban qui ne fait qu'embrasse l'islam. Je ne commence à sauver, panique. Je ne quitte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à découvert. Il n'y a personne avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qui s'en a. Abu Sufyan radiallahu anhu. L'in galoupé les fin vin maï Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un coup de flèche dans son lisier. Son lisier est tombé. Les fin vin avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est en panique, tout sahaba retourné parce que Muhammad sallam peut crier. Oh ben sahaba, moi Rasulullah. Ben sahaba retourné. Après ça, c'est quelques secondes de panique, je te retourne, je te commence, protège Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, enough. L'écho fin vin, comment dire, pour qu'il pique et flèche. Et non, shahid. Alors, perot Abu Sufyan peut venir lisier de son lamé. Ce lisier de Solamé. Il dit, Ya Rasulallah, mon père dit ça de Fils Abilillah. Mon père dit, mon lisier de Fils Abilillah.
Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu l'aimes, mon fait doua qu'Allah retourne ton lisier, soit je garantis toi paradis. Il dit Al-Jannah. Abu Sufyan radiallahu anhu. Al-Jannah. Alors donc, frère en islam, c'est ban jimoun, ban élite, c'est nous ban chef, c'est nous ban leader, c'est nous ban modèle qui nous besoin de défendre sa ban jimoun. Par nos paroles, par nos comportements, par nos actions, nous besoin de défendre zot. Tant que jimoun cause mauvais, tant que nous prenons zot comme nos modèles. Tant que nous inspirons nous de sa ban grand jimoun qui fin vivre comme ban modèle pour nous, qui inspire nous dans chaque événement de nous la vie, chaque instant de nous la vie, dans nos moments de souffrance, dans nos moments de difficulté, dans nos chagrins, dans nos contentements, dans chaque instant, il y a un exemple pour nous dans la vie. Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq et nous remercie cette présence et nous demande cette excuse pour sa, veut dire, sa quantité de temps qui nous vient de prendre là. Nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter et nous dire aussi jazakallah nos frères Ali et nos frères Fawaz et nous remercie la direction Masjid Nour Islam qui fait mettre sa masjid dans nos dispositions et nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter inshallah et faire sa causerie la vinen preuve pour nous inshallah dans nos dunya et dans nos akhirat. Wa jazakumullah khairan wa alhamdulillahi bin ni'matihi tatamu salihat.